son du jeu. Et hop, on bascule. Le jeu affiche-toi. C'est un ordre. Le jeu ne me respecte pas. Ah si, c'est bon. Oh, un curseur. Alors juste, voilà, flash pas. Hein? Attends, le jeu m'a stressé. Oui, parce que concrètement, le truc qui est en bas là, le 82, t'as un bracelet qui est attaché. Et théoriquement, c'est mes battements par minute. Là, je suis à 83. Je stresse. S'il monte à 100, je décède. Et c'est parti. On va essayer de se rappeler où c'est qu'on était, comment on vit, comment on va. Je crois que j'avais fini le train. Et c'est tout. Oh, j'avais Billy. Ah, Billy. Ah, continue, je recommencerai. Et ces bruits de pas étouffés, sont-ils ceux des survivants? Ah, faut que je me rappelle comment qu'on joue. Ok, tu vises comme ça. I'll check it out. Ok, c'est comme ça, tu dis, c'est ça. C'est la carte. This way. Roger. Ok. I'll check it out. Roger. Non, je suis encore la carte. Hop. Ok, tu fais triangle, tu switch entre. Et l'inventaire, ça va être carré. Enfin, carré. X. Ok. Donc. On va prendre un peu de temps pour apprendre à jouer. Mais ce que je veux savoir, c'est l'inventaire du petit Billy. Ah ouais, Billy, t'es bien équipé. J'ai essayé de traîner plein de trucs, ouais. Un couteau? Ça sert à rien, le couteau. Nous, on prend les armes à feu et let's gong. Et donc, on court de base. Pas un bouton pour, genre, j'accélère, si, non? Ok. Ok. Ah, bon, je vais faire du Metal Slug. Ah non, mais approchez pas. S'il vous plaît, attends, faut que ça revienne, faut que ça revienne et tout. C'est bon, je suis prêt. Mais attends. Ah Rebecca, je lui ai pas dit, viens avec moi. Non, non, quelle erreur. This way. Okay. Ouais, c'est bon, viens avec moi. On va vivre des aventures. Bon, il y a un truc, je vais pas tenir ce pas. Allez, on tire. Partenaire particulier, c'est le succès que je viens d'avoir. Hey, touchez pas Rebecca. Et sinon, défends-toi aussi. Je serai pas toujours là pour te sauver. Attends, elle est en passif. Je comprends pas. Ah, attends, elle a pas de... C'est dit, je... Bah, c'est... Je sais pas. I'll go alone. Okay. Let's regroup. Roger. Pourquoi elle s'est pas défendue en fait, ça que je ne comprends pas. C'est chelou.
Hop, alors. Voilà. Elle va se soigner. Je pense que si elle crève, c'est game over. Et le truc, c'est que... J'essaie de comprendre. Ouais, c'est pas défendu. I'll go check over there. Yeah. This way. Okay. Je sens que ce stream va juste dire ah on a à jouer. Très bien, très bien, très bien. Ouais. Ça va. Non mais faudrait peut-être que je m'équipe. Divers ustensiles se trouvent derrière le comptoir. C'est sans doute la cuisine. Mais nous, ce qu'on veut, c'est... Ah, voilà, c'est ça qu'on veut. T'es à mission Parabellum. Ah, j'ai l'habitude. Parce qu'il se lève lui. Il y a juste le curseur qui me gêne. Hop, voilà. On va voir s'il y a un truc sur le téco avant. Pousse-toi, Billy! Pas lapin. On va monter l'échelle puisque j'ai entendu des bruits de pas suspects. GG Billy! Des têtes vous tombez. Ça, c'est du succès! J'en ai marre de me tromper. Oh! Ouais, les herbes. Ça, j'aime bien. Ça, franchement, j'aime bien. Plus de place. Alors, juste... je pourrais dire genre, prends toi. Non. Je suis Billy. Et je consomme de l'herbe. Oh, je suis bien 2 balles. Ok. Ah, c'est ça, j'ai dû faire un petit détour. Les épées des chevaliers interdisent tout accès. Est-ce qu'il y a des petites chutes de framerate lors des ouvertures de portes? C'est... Yo. On est marre de pomper. Lili. Tu te relèveras plus? Voilà.
Calmos amigos. Ah, tiens, un petit truc intéressant là-bas. You stay here. Yeah. Oh non. Ah mais t'as. This way. Okay. Mais t'as plus de balles, copain. Pourquoi tu le dis pas? À chaque fois de checker ton inventaire. Voilà, tac. Toi, tu ramasses. J'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était. Microfilm. Examinar. Insère ce microfilm dans un projecteur pour voir ce qu'il contient. Bah très bien. Un truc marqué? Non. Et bah tant pis. Hop, let's switch again. C'est fermé. Ah bah voilà, là on a une carte complète. On sait ce qu'on a visité, on sait ce qu'on n'a pas visité. Dans les anciens Resident Evil, il y avait souvent un centre de formation. Tu utilises le PC? Non. Ah, ils vont faire des requêtes avec MariaDB, du NoSQL, oh là là. C'est fermé, la porte est ornée d'un symbole de feu. Ah, mais, par contre, ça c'est un... Oh. Ce n'est pas grave. Ça passe. Ah mais attends, c'était pas où est-ce qu'il y avait Attends. On a un projecteur ici. Bon allez, s'il y a un truc comme ça. Il y a un truc derrière lui, il lance son PowerPoint. Etc. Genre, le bilan trimestriel n'était pas bon. Et tous les boutons qui étaient affichés, bah. Ça envoyait une décharge à celui qui parlait. Un immense portrait du premier directeur du centre, James Marcus. On va faire un petit tour des gens, on va pouvoir... vous ne pouvez pas transporter cet objet. Billy! Bah tu peux. On va faire un petit tour... Oui, ça c'est... J'ai pris l'habitude hein, des... sauvegarde illimitée. Ça a été introduit avec Resident Evil 4. Et attends, je sais du coup, il y a quoi qu'elle a là? Ah, parce que ça prend deux emplacements. Très bien. Petit tri ici. L'autre, je pense. Attends, est-ce qu'on peut passer là? Il faut trouver ce symbole de feu. Je pense que c'est rouillé. Ça va pas forcément aider. Ce qui est dommage. Ah
Ah, faut trouver. Non. Ah, les caméras. On peut interagir avec ça, ce truc, non? Non, on peut pas interagir. Le passage est bloqué par un nuage de vapeur brûlant. Bon, bah, ça veut dire que... Let's go backtracking. J'ai directement passé par les chaînes dans cette salle-là, donc on va... Non, dès que je fais ça... Le rythme est grimpe, c'est marrant. Oh, on a tiré en symbiose. C'est ça le symbole de feu. Alors, je pense que ça, on doit pouvoir la péter, non? Non? Un petit trou au dos. On appelle un anus principalement, mais bon, moi. Pas besoin de. Quoi, un fusil? Attends, lui c'est quoi? Ah, lui c'est un fusil de chasse. L'autre, ça doit être un fusil à pompe. Et le fusil, ça, je vais le laisser ici. On va prendre le fusil à pompe. Non, je veux pas. Il y a plus de balles, ce qui est bien. Blabla. Attends, du coup, cette statue, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Si on avait juste récupéré du gazon. Ça va pour le moment, t'inquiète Doc. Vu que tu es un Doc, si ça monte trop haut, je ferai appel à tes services. Y a pas de souci. Comment ça va? Fais l'arrêt Twitch pour dire de fermer la chaîne car tu meurs en live et donc c'est contre le règlement Twitch. Ah, c'est... Vous acquiescez le règlement Twitch, vous n'avez pas le droit de mourir. Oh, c'est... Il est dur leur règlement. Porte même, il n'y a pas de serrure. Ce serait bizarre, mais ce serait marrant à lire. Interdiction de mourir quand vous streamez. Hein. Si vous sentez partir, veuillez couper le stream, s'il vous plaît. Si tu fais une attaque cardiaque. Ça, c'est. Ça, ça va même pas augmenter le truc, oh, fait chier. Ah, salut Tifa, comment ça va?
J'avoue, c'est beau. Ah, je crois que... je crois que je l'ai oublié, je pense. Vas-y, comment je t'ai esquivé? Ah, t'es trop nul! Hop là, hop, allez! Roger. Ah non! Non, pas ma belle chevelure! Non, c'est... Tu vois, c'est Zi. S'il y a Billy qui est dans une autre pièce et qui dit... On se regroupe! Non, j'ai besoin de tête, je peux plus bouger! Pourquoi pas? Attends, j'ai une manivelle. T'appelles ça une manivelle? Quoi? Ah, ça... Ouais, une poignée. Ouais, ils ont des définitions un petit peu chelou. Il y avait une porte, pas de poignée. Mais est-ce que ça veut dire que après, c'est mieux? Parce que, honnêtement, j'ai pu échanger avec quelques personnes sur différents chats, etc. On dit, putain, RE0, mon gars. Ah, bah, d'accord. J'ai même plus de souvenir, je crois que la fois que j'ai vu du Resident Evil 0, je sais plus si c'était Cladol ou Brainstorm, je sais plus. Ah ouais, t'as pas bloqué ce passage, d'accord. Il y a juste le système de que t'es plus de c'est des malles où stocker tes objets, tu dois les laisser traîner et tout. C'est... Je trouve ça un peu dommage. Ah bah le grappin, de toute façon, je l'ai laissé à côté d'une machine à écrire. Si c'est lui qu'il faut qu'il comprend. Tu dis. Ouais, au début je me disais ça va juste servir pour un petit truc, mais si c'est un objet clé, pourquoi a fait un truc dans le dans quand de la sorte, c'est-à-dire qu'on peut le laisser tomber, que le grappin il est par là. J'ai laissé traîner ici avec un couteau. Ça donne faim. Ça donne faim. Le crapin tout finnois. Mais bon, maintenant que j'ai le... Ah, c'est peut-être là, non? Quelle est une manivelle ici pour Ah mais oh Billy, non, j'en ai pas besoin pour l'instant, donc c'est pas par là. Genre faudrait que je teste un jeu genre Outlast. Oui, ça va faire un drame. Je l'ai jamais eu la 64 hein, que si on n'a jamais la console, on peut dire que c'est de la merde. Ça va.
Je vais essayer de descendre à 64 pour faire Nintendo 64. Laisse-moi le temps. Oh putain, puis ça se trouve, je peux pas descendre à 64 sinon, bah ça, je sais pas ce qui se passe. Ah tu vois, et voilà, rien que par les Outlast, t'as vu comment le rythme il s'est emballé. Donc imagine si je le fais, je crois que je serai à 100 constamment. En fait là j'ai plongé ça un peu de retrouver mon chemin. Je vous offre une Nintendo 63. Une Nintendo 62. Une Nintendo 60. 60 ? Voilà, Nintendo 64. Franchement, attends, bah oui, t'avais fait. Ah, comment ça s'appelle? Je vais. Resident Evil 7, voilà. Resident Evil 7, donc. À mon avis, The Evil Within. Avec du vin. Tu auras, je pense, des réactions. J'avais pas similaire à Resident Evil 7, mais un peu plus supérieur. Attends, je crois que je dois. J'ai le premier, mais je sais pas si j'ai le deuxième aussi. Ça, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Mais ce que je sais, c'est que je sais pas où je vais. Là, je repasse plusieurs fois au même endroit. Donc c'est fermé. Attends, ça veut dire quoi ça, le petit point clignotant, c'est quoi, c'est machine survie pour sauvegarder? Donc le 2 est plus serious business, si je comprends bien. Par exemple, t'as toujours le système, en fait, pour voir dans l'obscurité, t'as toujours ta caméra. Et salut Nico, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Voilà, tranquillement de Outlast 2. Et on essaie de s'y retrouver dans Resident Evil 0. Oh, un projecteur. Ça ne porte à la bougie, assez consumée. C'est fermé. Merci. Yo Mouzo. On m'a souvent dit oui que Resident Evil 0 c'est pas le meilleur. On me l'a dit. Mais après je voudrais savoir hein, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que ah, c'est pas le meilleur. Pourquoi ça c'est j'aimerais bien
Alors des petits arguments pour comprendre justement, parce que moi je découvre le jeu, donc pour l'instant mon avis, ça résume un truc que j'ai fait il y a 5 mois, c'est-à-dire le train, c'était... Je sais plus trop, donc du coup voilà. On va aller tuer des petits corbacs. Y a peut-être un truc à faire dans la salle. Pardon. Mais... Ouais, Rebecca, vas-y, moi je fais la pas, toi tu tires. Allez? Ouais. Attends, elle était passée. Non, mais la caméra, elle fait. Elle sait pas ce qu'elle fait. Ah, mais en fait, il n'y a rien dans cette salle, mis à part la manivelle chelou. Et salut Fox, comment ça va? C'est vrai que quand t'as pas la malle, le fait de jeter les objets comme ça, tu te dis ah tu savais pas que t'avais besoin de cet objet, tu dois revenir en arrière et tout. Backtracking. Et c'est. Ouais, c'est emmerdant. On peut dire ce qu'il en est. J'ai essayé cette porte, je crois qu'elle était fermée. Ah non. Vas-y, maintenant je peux même plus faire genre. Ah, je suis surpris! Vous avez vu comment ça s'est même pas monté? Ça marche Check it out. pas. Okay. Come on. Okay. Ça marche pas. Allez, c'est parti. Ah, ça... Non, ouais, ça m'a surpris, mais le truc a fait n'importe quoi. Il crève un jour. Ah non, techniquement, je ne suis pas mort. C'est Billy, c'est pas défendu. Voilà, c'est de la merde. Billy! À l'époque, c'est une différence entre vouloir avoir peur et faire une crise cardiaque. Je sais pas si je suis prêt. Je sais pas si je serai prêt à endurer ça. Mais bon, ce que je vais tenter, c'est que je vais essayer un peu de, tu sais, de tenter une feinte de frappe. Rebecca, téléporte-toi s'il te plaît. Allez. Non, j'ai pas de cocktail Molotov, non, c'est... Allez Rebecca, on se casse! Je crois qu'elle va y passer. Donc, on n'a pas le truc qu'il faut. Ah, Rebecca. Resident Evil Zero. Alors, Rebecca ou Billy, quand il y en a un qui se barre, faut suivre. Faites pas genre le film d'horreur, j'ai une arme et tout, je peux me défendre. Non, quand tu vois un truc comme ça, tu cours. Je suis mort, ce n'est pas une grande surprise.
Et sur PC, je me demande, tu sais, s'il n'y a pas une sorte de mode ou un truc comme ça qui ferait que tu peux jouer avec quelqu'un d'autre qui incarne l'autre. Je sais pas. Si ça a été fait, ce serait sympa. Je pense que ça donnera avec une personne qui découvre le jeu et une qui ne le connaît pas. Tu penses que c'est jouable avec Parsec? Que sur console, c'est quoi? C'est t'avais deux manettes et c'est bon, ça passait? Ou c'était vraiment une pseudo-coopération? Tu as entièrement raison. Solo uniquement. Pas comme ça, Fox. Pas comme ça. Pas après tout ce que tu as fait. J'avais une loi qui montait, puis là, c'est pas possible. La tristesse m'en fait. Salut Maeva! Oh le popcorn! Le popcorn! Non, je refais. Je sais pas si ce que j'ai dit, mais j'espère que vous allez bien. C'est tout le monde. Je fais un petit tour. Est-ce que vous allez bien? Moi, je me perds, je meurs, je perds, je meurs, je meurs et je me perds. Merci pour le sub. Alors, d'accord, pour le cadeau du sub. Merci beaucoup. Et ce fut ça. Vous avez été gracieusement remercié par Julien Lepers. Merci beaucoup en tout cas. Il va faire péter des subs pour tout le monde juste pour entendre Julien Lepers. Ah oui. Il y a Doi qui est très comment? Est très méthodique. Il prend soin de moi, il surveille mon rythme cardiaque. Quand il va avoir ça, quand il a dit, il va contacter Twitch. Ce streamer est sur le point de mourir. Merde, c'est pas ça. Ah mais je me donne pas ça. À votre avis, est-ce que le fusil de chasse est mieux que le fusil, du coup le fusil à pompe, ou le fusil de chasse est mieux? Non, même quand je fais du sport, le maximum que j'ai pu atteindre c'est 160. 190, c'est que je te fais une putain de tachycardie. Hein, et là. Appelez les secours, s'il vous plaît. Le fusil de chasse, du coup, qui fait plus de dégâts. D'accord. Bon, on va garder ça et puis on va donner le fusil. Fusil. Enfin, non, on sait qu'il est là. On va pas affronter les monstres sans su. Par contre, dans la sauvegarde, je sais plus si j'avais tué tous ceux qui étaient présents sur le balcon. Ah, ceux-là sont morts.
C'est un peu comme dans les dessins animés, genre tu sais, le corps il fait. Il est fou. Ah, donc c'est minime. On va pas retourner dans l'endroit avec les monstres sangsues. On a vu ce que ça a donné. Non. Ce que nous allons faire, c'est que... Je sais pas, moi. Ouais, est-ce pour sauvegarde? Bien, le mal s'équilibre, un nouveau chemin s'ouvre devant nous. Ah, mais qu'est-ce qu'on met sur les balances? Ah, bon, on a... Bon. Deathloop, c'est pas le jeu qui ressemble un peu. Ah bah non, là c'est. Je suis arrivé par là. Qui ressemble un peu à Dishonored? Ou dans le genre où. J'avais vu un pote qui en parlait rapidement. Du coup, je sais pas si c'est par les créateurs de Dishonored ou si ça ressemble un petit peu à, truc, ou à ça. Le pire ou le père? À une lettre près, ça peut faire la diff. Le pire, d'accord. C'est-à-dire, il a pris genre tous les mauvais côtés du jeu et ils ont foutu ça dans Deathloop. Ah, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Il est en avance sur son temps. Ah, mais attends, j'ai pas récupéré l'espèce de manivelle. Ça purifie les pouvoirs, donc genre... comment dire? C'est... Tu peux les utiliser à l'infini? J'ai une porte, ça? Non? Où c'est comment? Bon, j'ai une liste. Tu vois, je traverse le cadre tellement elle est élevée de jeux que je n'ai pas fait. Et les Dishonored, enfin j'avais rapidement commencé, j'ai pas continué et puis du coup bah je me suis dit j'ai rapidement commencé Dishonored, je vais prendre le 2. Ah là là. Non c'est... Non oui d'accord, faut que je fasse le... Pour récupérer la manivelle c'est par là, d'accord. Yes. Tu vas pas avoir que deux en permanence, sachant que tu n'as aucune raison de virer la téléportation. Après, les armes sont sympas. C'est pas fabuleux. Ok.
Très bien, très bien. Alors, allez, on va essayer de rechoper cette manivelle et voir où est-ce qu'on peut. La foutre. Pardon. Pas de place. C'est en kikinant tout de même. Ouais, c'est là les rues de renfort. Ouais, tu prends l'isonant, tu lui rajoutes un cocktail pool mais redondant et tu le dilues à l'eau et pouf, Deathloop. Le fameux système d'invasion, il est bien quand tu joues l'autre nana. Après, le PVP peut être sympa. Ah, celui-là du PVP. Ça, par contre, je m'en doutais pas vraiment. Bon, avant de récupérer le truc, on va examiner la salle. Non? Attends. Attends, parce que ça m'a bien appris. I'll go alone. Roger. This way. Roger. Ouais, t'as dit Roger, donc si on se casse, tu viens avec moi. En gros, le joueur joue l'antagoniste et doit tuer 3 fois le joueur. Ouais, mec, y'a... Je pense que Deathloop est une sorte de suite de Dishonored. Pas la moindre idée. Pas la moindre idée. On n'avait pas trouvé une porte. Non, c'était pas le symbole d'horloge. J'avais plutôt que c'est Dishonored, mais version Mystic Quest Legend. Je connais pas du tout ce jeu. I don't know what is this mean. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Attends. Ce Mystic Quest là? Et comment ça pour Occidental débile? Genre en fait, les Occidentaux, ils étaient pas suffisamment prêts pour dire on va avoir un Final Fantasy vraiment typé et tout. Non, ils étaient pas suffisamment prêts pour ça. Elle est où Rebecca? Rebecca! Je pensais que Rebecca elle est partie. Elle a trouvé. Elle a trouvé une échappatoire. Elle nous a laissé tout seul. On va faire comme dans les dessins animés pour enfants. Si vous dites Rebecca sur le chat, elle va apparaître. Je rappelle que je crois face pour faire. Ils ont viré des parts entières de gameplay. Rebecca, j'essaie de taper sur le talkie-walkie. J'ai pas eu, vous êtes mort. Donc ça veut dire qu'elle est en vie. Ouais, on l'a trouvé. Ouais, je rajoute des bruits genre d'applaudissements quand il se passe un truc comme ça. Roger. Je sais, sur Final Fantasy, il n'a plus de content sur Island. Oh, de toute façon, après,
Les Final Fantasy, c'est pas... Comment? C'est pas ma cam, hein. C'est... Alors regardez, ouais, ça peut être sympa, mais... à écouter, genre les musiques, elles sont vraiment cool. Mais j'ai fait quoi? J'ai fait le 10, le 10-2, le 12. Même le 7, j'ai eu la flemme de le faire. Oui, messieurs, je le dis, j'ai pas fait Final Fantasy 7. Tifa, il va me tuer. Mais ce qui est con, c'est que j'ai FF7 sur Steam et j'ai également le remake que j'ai commencé. Ça plaît dans ma faveur. Ah, j'ai l'impression que FF12 en fait a pas mal partagé. Il y en a qui l'ont adoré, il y en a qui l'ont détesté. Notamment pour son système de Active Dimension Battle. En gros, où, tu te bats directement dans l'environnement. Je pense avoir compris pourquoi c'était le pire moment, mais est-ce que c'est pour les raisons que je pense? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression d'être encore au début de ce centre de formation, et ça me gonfle déjà. Donc, je sais pas. Attends, on a une statue. Si je la fous là. Voilà, maintenant il faut trouver une autre statue. Et Ronico. Mais après, attends, le truc de l'horloge là. Porte est verrouillée, mais il n'y a pas de serrure. Une horloge est gravée sur la partie supérieure. Donc il faut trouver, à mon avis, une clé en forme d'horloge. T'as une clé en forme d'horloge. T'as truc là, t'as symbole de feu. Ah mais tu sais les points de chaîne je n'y ai toujours pas touché. Mais il faudrait, j'y pense déjà, peut-être mettre un petit truc genre les puntos vandales ou un truc comme ça. Ou tout simplement les points vandaliers. À y réfléchir. Il a des petits trucs assez sympathiques TFR. Genre GG Patron, où quand tu accumules des points, tu joues l'écran retour, un truc comme ça. Mais il faudrait que je vois ou je lui demande directement si... comment dire? Avec les points de chaîne, ça peut directement agir sur le truc où tu dois le faire toi-même en fait. Genre tu vois la notif sur le chat et du coup après tu... Fais en sorte de retourner l'écran, je ne sais pas. Pour gagner des VIP, il faut être VIP. Oh oh. Les vandales, les VIP. Passage pour exercice d'évacuation, verrouillé, disque système nécessaire pour activer le déverrouillage. Donc ça, quoi, il faut que je pète le PC que j'avais vu pour récupérer le disque dur. C'est un truc qui m'intrigue. C'est ces petits points orange. Donc je pense que ça doit être des... comment ça s'appelle?
des points d'intérêt. On va retourner checker ça. C'est vraiment curieux. Attends, Resident Evil, pas vraiment des énigmes. C'est genre, si tu viens, tu dois survivre, tu économises tes munitions, tu vis une aventure, etc. Mais non. Là, tu te casses la tête. Non, cependant, il a plus l'air de foncer, donc... Ouais, des rubans encre, parce que j'aime bien écrire. Bah non, putain. D'accord, il y avait un truc ici. La caméra, les gars, c'est de la merde. C'était de la merde. C'est de la merde. C'est stupide. C'est là qu'il faut le foutre, le truc. Mais honnêtement, en fait, Code Veronica sur 360 et PS3, le portage est vraiment... véritablement dégueulasse. Si t'as un bon PC, franchement, joue-y sur émulateur. I'll check it out. Okay. On va envoyer Billy. On va envoyer Rebecca, hein. C'est le jeu qui a dit. Panique pas, Rebecca, si tu disparais, on va utiliser la technique de l'appel du chat. Au secours ! Au secours ! Attends, mais laisse-moi prendre mon fusil de chasse. Je vais te faire courir, moi, le petit rouquin, tu vas voir. Non, pardon, j'ai rien dit ! Alors, la version de Dreamcast, j'ai pas touché. Bah, c'est vrai que Dolphin, les devs qui sont derrière, ils bossent d'arrache-pied. Hein. C'est le truc qui est encore mis à jour, etc. Et ça fonctionne très bien. Par contre, PCSX2... ça doit faire quand même un sacré moment qu'il y a plus grand chose, quoi. C'est... mais il y a du coup... il est sorti sur GameCube également, Code Veronica. Ça, pour le coup... Non mais... vas-y, lâche mes cheveux. Attends... lâche mes cheveux, je t'ai dit. Putain, je vais pas mourir comme ça, alpagué par des corbeaux. Sérieux? Ah non, ça va, ça fait pas beaucoup de dégâts. Attends. Ah mais oh. Vas-y Rebecca! Changement de caméra et tout! Hop, esquive! Hop, trop d'esquive! Hop là! Allez, facile! Oh! Ah les gars, vous me vendez du rêve là,
Faut que je me renseigne là-dessus. Hein. Faut que je me renseigne là-dessus. Hein, parce que Code Veronica, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà un dev qui bosse sur PCSX2. Apparemment, ça bosse toujours pour faire sortir la version 1.7.0 de PCSX2. D'accord, bah c'est. Ouais, vu que une PS2 pucée, tout si tout ça, c'est pas un problème. Salut toi. Allez, joue. Merde, j'aurais dû faire le mix avec comment? Non, moi je... Non mais... C'est gentil, mais tu as un truc à ramasser. Ouais, juste... Voilà. Ah bah je vais... Honnêtement, faudrait que... Je vais arriver. Faudrait que j'aille voir ça. Est-ce que je peux choper ça? Faut deux blocs. Ok, donc à mon avis, on va pouvoir un peu contrebalancer la balance. Bon, bah, le lance-greu, je vais devoir le laisser là. C'est fermé, la porte est ornée d'un symbole d'eau. Tu m'avais dit ça, Fox. Honnêtement, Duckstation, il est plutôt pas mal. Hein. C'est, il y a juste quelques personnes, peut-être une ou deux, qui avaient un peu des problèmes avec, mais dans la grande majorité, c'était bueno. Comme un Kinder. Les gens sont un peu indécis. Est-ce qu'on passe à Resident Evil 1? On part sur une autre série? C'est vous qui voyez. Mais en espérant que on va essayer d'avancer rapidement sur Resident Evil 0. Mais voilà, voilà. En vous remerciant pour les votes. Oh non, toi je t'avais pas vu. Non mais, voilà. En plus, tu tombes. Bien, tu le fais avec moi, Doc. Tu prends Sheva. Je sais que tu l'aimes bien. This way. Ok. Et bonjour, bonjour, petit Quentin. Comment ça va? Ouais, mais RE5, je l'ai pas sur PS4. Ouais, ah oui, mais ouais. Si on arrive jusqu'à RE5,
Vous pouvez clipper, ça va me servir à de preuve. Si on fait RE5, on fait le mode Chris Solo. Comme ça, il n'y a pas de... Cheva, quoi t'es morte? On ferait ça. Je m'y engage. Ça tombe bien, Ticanta. Moi, je le découvre aussi. Non, elle n'a pas besoin. Bah pourquoi? Le grand truc, c'est là. Ah bah... Waouh, faut être à 45 degrés. N'a pas marché. Il me semble quoi, il est sorti sur GameCube, mais là on est sur la version PC. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais marquer un petit temps de pause. Et bah on se retrouve juste après. À tout de suite.
Hubertus. Ja. Alors. Faire des petits trucs. Hop. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui est regardez ça. C'est marrant, mais on dirait que je suis. En fait, je pouvais faire le truc de Shredder à la main. Genre. Enfin, bref. Et attendez, Eh, c'est marrant, en fait, avec le joystick droit, je bouge Billy. Mon jeu, il fait n'importe quoi. Regardez, Billy se casse. Enfin, il essaye, mais il peut pas. En fait, c'est... Attends. Attends. Tu vois, c'est les choses que ça me fait. Non, c'est... non, mais... J'ai découvert à mon insu. Mais le truc, c'est que là, Rebecca, elle est figée en position de « je vise ». J'allais dire que le fait que Rebecca ne bouge plus et que je puisse plus accéder à l'inventaire, c'est pas un bug. Et je peux plus rien faire là. Là, je claque des balles totalement inutilement. Je peux même plus interagir. Bon, on va essayer un truc. Attends. Non, je peux plus. Regarde. Il a vu pas le bouton X là. Non, en fait, clavier souris, c'est la même. Non, non, en fait... Et non. Exactement, Nico, c'est exactement ça. Non,
je ne peux rien faire. Rebecca, si elle est figée sur cette pose. Et non, c'est totalement. C'est non, là, je ne peux. Je ne peux rien faire. Donc je suis obligé de. Non, je peux. En fait, je ne peux pas. Ouais, attends. Si j'appuie sur la touche d'action, c'est Rebecca qui tire. J'ai même afficher la carte, je peux pas. Allez, c'est bon, ça c'est chiant. Resident Evil Zero. Jeu de merde. On n'a pas vanté les mérites, mais avoir eu une connerie pareille. Non, non, quand tu veux que. Attends, de chose près, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Je lui trouve des qualités. Non, ça pue du cul. On me l'avait dit. Je savais dans quoi j'allais m'embarquer. Non, en fait, c'est même pas recharger une partie. Je dois quitter le jeu. Le jeu est dans un état totalement planté. Allez, ouais, je me casse aussi. Allez, salut. Bah après, tu peux avoir des problèmes sur console que tu n'auras jamais sur PC et inversement. Puis tu peux également avoir des problèmes sur les deux plateformes. Resident Evil. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est juste chiant, mais c'est pas grave. Je me souviens à peu près de ce qu'il fallait faire. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Non, non, il n'est pas décédé. C'est le jeu qui est mort. Ok, bah là, c'est bon. Allez, pour une nouvelle fois, on va revoir ce qu'on a fait. Ça roule, Fox, à tout à l'heure. Let's split up. Okay. Let's regroup. Roger. Bah, dis-toi, j'ai chargé une partie, c'était dans le même état, mais effectivement, si je relance le jeu et que c'est dans le même truc, j'ai dit, ok, on change de jeu, Resident Evil 0 n'existe pas. Et comme j'ai pu voir ça, je pense, sur le chat un jour, Resident Evil 0, c'est comme sa note, c'est un 0 sur 20. Il est 0. J'ai récupéré la manivelle, du coup, on est très bien... Il faut que je retourne dans la salle. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'au moins je sais ce qu'il faut faire. Ça va. Sinon je serais horrible. Mais il y a juste un truc qui est... C'est sur... Là je change de sujet. C'est sur Stropole. Bah c'est toujours à 4-4, donc je sais pas, je pense le Stropo lui aussi il a dit j'en ai marre, je prends des vacances. Vas-y, chelou ça aussi, tout qui est chelou. Ouais, hop, donc on fait ça, et après on fait ça. Pam. Voilà. Non, toi... Ok. Toi, tu restes ici. Je sais ce qui m'attend. Hop, hop. Voilà.
Après, hein, chacun ses goûts, mais là, pour le moment, honnêtement, Code Veronica X, je l'ai vraiment bien aimé. Je suis même pas obligé de les affronter en fait. Ouais. Tiens. Tu sais, le corbeau était comme ça. Ah, ben. Je vis bien, Nico, t'inquiète pas. Je le vis très bien. Ah, mais Rebecca! Vise! Vise bien! Tu peux le faire! Toi, tu restes ici. Ah bah oui, bien évidemment. Avec les copains, c'est sûr que ça se serait mieux passé, mais voilà, faut, de temps en temps, faut savoir passer outre. C'est malchance et y aller quoi. De toute façon, je me dis que vendredi prochain, ouais, ce sera très bien de faire du F4D2 avec les copains et en espérant qu'il y ait pas mal de gens. Alors que j'espère qu'il y aura plus de gens parce que peut-être soit on fera une ou deux campagnes ou s'il y a vraiment beaucoup de gens là on pourrait faire un versus qui serait nice. Ok. Mais est-ce que tu seras là vendredi prochain? Oh, j'attends juste le curseur. Yep, là. Tu as un pli si... Si le jeu est lourd ou pas, je sais plus du tout. Il me semble que t'as une bonne connexion en plus, non? Cette partie stream va être censurée. Non mais je m'en fous de que ce soit de ça. Allez, ramasse les cartouches. Merci. Oh Nico,
Tu peux bien désinstaller Phasmaphobia, c'est pas si bien que ça, voyons. Yabé. Yabé, il y a un désinstallé face à ma fpia. En fait, peut-être qu'il fallait que je la dépose là, sur la gauche. Ah non, en fait, elle la pose directement à droite, donc... Bah un jour, il faudrait que je teste le... Il faut être obligatoirement, je crois, au moins 3 ou 3-4, je sais plus. Ah, je peux faire du solo. Allez, j'arrive, les poltergeists. Ah, ils sont encore en haut. This way. De, okay. De 1 à 4, d'accord. Peut-être, après c'est... de toute façon, je pense qu'il doit pas être trop cher, mais... Mais à voir, ouais, ça pourrait être bien. Merci bien. Son flingue, il fait un bruit plus stylé que le mien. On dirait que moi, c'est une pétoire. Alors que lui, c'est genre un Glock 17. Ah, je tente d'inventaire. Ah, maintenant qu'on a récupéré la statue blanche, on sait où est la statue noire. Pour pas se faire avoir comme juste avant, on va faire une sauvegarde. Ouais, je la sauvegarde 3. Billy! Comment tu sais? Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que j'ai un nouveau micro. J'ai pas encore fait de test audio pour voir ce que ça donne, puisque mon ancien micro. Et salut, monsieur TFR. Oh bah. Que. Oh là là, que. Je peux même plus surprendre les gens quand je fais du Resident Evil. J'espère que ça va bien, TFR. Juste pour revenir à ce que je disais, oui, donc mon micro est mort hier. S'il avait attendu juste le 18 septembre, il aurait fait 3 ans pile de bon et loyal service. Non, il a fallu qu'il claque quelques jours avant. Non, 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 je suis pas d'accord. C'est pendant 50 minutes. Et oh, Ticanta. Bah écoute, ça va très bien, c'est... Là, on commence à avoir une amorce de quelque chose, de savoir où c'est qu'on va. Exactement, Nico, c'était l'obsolescence programmée. J'arrive à 3 ans. Arrgh. Bah, plus rien. Ouais, si vous avez envie de juger, alors n'hésitez pas, je vais pas mal le prendre.
Je vais juste arrêter de streamer pendant 5 mois, c'est tout. Et du coup, voilà, TFR, c'est... En fait, c'était ça la feature dont je parlais hier. C'est pas dans le jeu. C'est grâce à ce bracelet que j'ai que je tiens là. Il me dit si je meurs ou pas. Je tombe pas au-dessous de 50, ça va. Si je tombe en dessous de 50, ça me fait peur. Ah mais oui, c'est de toute façon c'était pas uniquement pour Resident Evil, c'est vraiment. Pour du speedrun aussi, de temps en temps, quand je suis vraiment sur une bonne pace et que je suis sur le point de faire un PB, mon cœur il s'emballe. Enfin, un truc de fou, j'ai. Ou même quand, par exemple, bah, quand il y avait tournoi de l'UD et que je faisais un bon truc, ça faisait poum 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 poum. Je tiens à dire qu'elle me tire dessus aussi. Hein. Partenaire particulier. Ah mais... Sauve-moi Rebecca, j'ai plus de balles. Tu gères. Ah, mais je suis pas du tout à côté de la jerrycan. Ou du jerrycan. Du jerrycan. Mais il me dit non. Mais non, tu peux... Non. Non, franchement, tu peux pas la comparer à Edgy, là. Non. Je m'y oppose. Ah, mais ça, je me doute bien que l'équilibrage est le même. Mais juste, tu peux pas la comparer à Rebecca et Jill. C'est pas possible. Je m'y oppose. Ah non, il n'y a pas les coffres magiques. Les mâles interdimensionnels. Ah du coup, ouais, il manque un truc là. Billy ! Oui, ça, pour le coup, je peux rien dire. Mais là, surtout, Billy n'a plus de balles. Et je n'ai pas de balles à lui transmettre. Bon.
Attends, c'était quoi la porte qui avait été déverrouillée? Je crois que c'est celle là-bas. Non. Ok. Mais par contre, ouais, l'IA est clairement débile. Lui, il a plus de balles, mais il s'entête à garder le flingue, alors qu'il a un fusil. Il y a une grosse machine. Du coup, TFR, tu reprends à Resident Evil après ou pas? Parce que du coup, je sais plus quand je suis parti, je sais plus où tu t'en étais arrêté. Non, il n'y a rien ici. Ouais, donc t'as dû faire le choc V. Donc t'as déjà fait la cabine, enfin la cabane du chasseur. Et donc il me semble que là tu retournes au manoir. Billy, ne bouge plus. Faut pas péter. Ne craque pas. Rebecca, no! Mais ouais, je reviens. J'ai plus de balles. Bon bah désolé Rebecca, t'es on est dans la merde. Va tenter un truc. Allez Billy, tu peux le faire. Rebecca, surveille, j'arrive. Crève pas. Vas-y Billy. Putain, t'es baraqué, tu fais du sport, monte plus vite! Ouvre ça, sale bâtard!
Rebecca! Are you alright? Yes, thank you. Vous pouvez dire que c'était pas mal quand même. Merci, merci, merci pour le GG. Et juste rester serein et prendre la bonne décision. Bah, bien sûr, Doc. Moi, je vois dans le turfu. Je savais qu'il allait se passer une merde pareille. Mais ouais. Je m'attendais, hein. Oh, l'enfoiré. il a pas beaucoup de missions, lui il va y passer. Never give up. Mais maintenant c'est vrai que je suis un peu dans le caca en termes de missions. Ah d'accord, elle a pété le truc donc on peut plus retourner là-bas. Mais ce qui est bien c'est que au moins on a enfin récupéré cette clé à symbole de feu donc on va pouvoir ouvrir quelques nouvelles portes. Non, mais c'est très bien, c'est très bien, t'inquiète. No problemos. Ah ben, ça c'est le symbole de l'eau. Alors, juste avant, je vais... Attends, est-ce qu'on a des loubans en clair? C'est très bien. Ça, mais en plus, leur inventaire, il est minuscule. Si ça, c'est pas de la reloutitude. Ça roule, TFR, bah merci, puis bah bon café. Et sur moi tout à l'heure, ouais. Pour le propos, si bah, c'est le fait hein, qu'on continue la série des des Resident Evil, j'ai trouvé des modes genre pour rendre le jeu encore plus beau. Non, ce n'est pas par là du coup. Ça nous souvient les trucs avec un symbole de feu. Parce que ça existe. Après, je sais pas si c'est genre le Resident Evil 1 sur PlayStation ou c'est vraiment le remake. Que bah je vois ça pour le coup. D'accord, ça promet. Ah.
Ça roule. Bah, faudrait que je teste ça pour le coup. J'ai plus grand souvenir du premier Resident Evil. C'est de me retracer, de me retracer cela avec TFR sur ses streams. Mais pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Il ne restait plus que deux. Pas dans une cuisine, il y a des trucs. Elle est censée fabriquer. Merci. Ouais, y a pas d'autres trucs. Ah, y a pas de la bouffe pour de quoi se soigner. Pourquoi? On a accès à la cuisine, ouais c'est bien, on va... Pour l'instant je... Mais attends. La bouteille avec l'essence à briquet, sachant qu'il y a un briquet. Ça ferait quoi? Ça ferait du coup un cocktail molotov pour les espèces de sangsues là ou je sais pas quoi. Possible, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça roule. Merci bien. Je retourne au bureau. Ah bah s'ils font des randomizers sur un remake, ouais, c'est pas mal, comme ça ça teste de si tu te souviens bien des trucs, etc. Ok, donc ça ne bug pas. Il est quelle heure? 20h35, très bien. Maintenant toutes les portes avec le symbole ça c'est truc horloge. Après, je sais s'il y en a d'autres pour... Non.
Non, de... Ah, je pense que je dois être même pas, genre... au quart du centre de formation, parce que... T'as également un truc du symbole de l'eau... encore résoudre l'énigme des espèces de statues, etc. Quoi ? On s'est fait chier pour deux portes ! Enfin bon, je dis ça, mais ça m'étonne même pas, en fait. C'est... En temps, tu fais un putain de backtracking pour une porte. Une musique. Ah, c'est vraiment RE2, ils ont fait un excellent travail. Resident Evil 3, on va dire en termes graphiques, c'est très bien. C'est, il me semble que c'est le même moteur qu'RE2, mais il manque plein d'éléments de Resident Evil 3, ça qui est dommage. Bah ouais, j'ai RE0, RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, RE6, RE7, Resident Evil Village, Resident Evil Révélation, Resident Evil Révélation 2. Pouh. Mais il y a une bonne partie qui m'avait été offerte par... un dénommé Vandal Guigui qui passait sur le chat avant, je sais plus trop ce qu'il devient, mais il m'avait offert pas mal de Resident Evil, donc je le remercierai jamais assez pour ça. Un, ouais, je l'ai terminé. Le 2, faut que je continue. Ah. Attendez, je prépare ma voix de narrateur. Journal de l'assistant du directeur. Le 2 septembre. Encore une bande de stagiaires incompétents. Où le siège social décote-t-il de tels idiots? Quelques-uns sortent du lot, cependant. Estimons-nous heureux. William et Albert, ceux-là ont de l'avenir. Le 25 septembre. Will l'intello et Al le pragmatique. C'est le jour et la nuit. Ils se donnent toujours à fond. Ils ont tous les deux quelque chose de cruel et impitoyable. Le 7 octobre. J'ai reçu un appel inattendu du directeur. Il m'a dit d'encourager la rivalité entre eux deux. C'est bien la première fois depuis l'ouverture de ce centre de formation que Marcus s'intéresse à autre chose que ses recherches. Bon, comme il veut. Les ordres sont les ordres. Ils seront bientôt à couteau tiré. Wouah, on a allumé la lumière.
pensez qu'il faut que je tire dans le truc qui brille là. Enfin, s'il lèche les infos dessus car ils devraient être en développement, sauf s'ils sont sur Dragon's Dogma 2. Et putain que j'ai hâte d'avoir un PC portable gaming ou une PS5 pour ce futur jeu. Non, ça marche pas. Tant pis. Bah après, si tu peux, Fox, je te suggère plutôt de passer à une tour. Tu peux. Après, si tu peux, si tu te déplaces beaucoup, oui, effectivement, un PC portable, c'est un peu mieux. Oui, tu sais le briquet. J'avais même pas ça. Le changement, c'est maintenant. C'est le succès que je viens d'avoir. Il ressemble à, de loin, au type de Yakuza. On préfère la tenue de base. On prend en cheerleader, en cowgirl ou en cuir. Je vous laisse choisir. On a du cuir pour Fox. Ah, il y a des amis, ils me disent que je ressemble à Alain Delon. Delon ? Non, Delon. Sinon, Robert Redford. Il y a des gens aussi, ils disent que je ressemble plus à Robert qu'à Redford. Tournée ménage, les inconnus. Bon, bah, allez, hein, en plus on était sur cuir. Aïe! Ah, yeah. Bon, bah, écoutez, on va essayer de faire de la place. Et, et de prendre la bouteille vide et le... L'essence à briquet. Ah, c'est vrai, il faudrait que je relance un peu. Enfin, même totalement la hype sur le bordel quiz. Je crois que c'est... Ouais, c'est un petit moment maintenant que... Je l'ai mis de côté. Faudrait que je me décide. Oh ! Ouais, merde, c'est... Quoi, ça peut être un bordel, mais genre, c'est, tu ouvres la porte. Ah, t'es déjà dans la séquence de fort. Voilà, merci. Bah, je sais pas justement, faut que je me repenche sur le dossier. J'aime bien dire ça, le dossier, genre un truc important.
dans les spawns du tyran. Tu sais, tu fais. Tu es un peu comme. Bah, dans les trois, tu sais, c'est, le tyran, ça devient. Bah, ça devient une sorte de némésis, quoi. C'est, il pop n'importe où, n'importe quand. Tu remplaces tous les boss par le tyran. La plante, c'est un tyran. Yone, c'est un tyran, etc. Du coup, tu fais la run de tyrannie. Tu pleures. Où ils ont mis le jeu, le tyran. D'ailleurs, tu vois bien, genre, tu sais, la cinétique, t'as le. La cinétique se termine. T'as le tyran. Non, même, tu sais, quand t'ouvres la porte et que t'as le chien qui rentre, c'est un tyran. Et là, tu peux dire, il est très attirant, le tyran. Merci. Je vous retrouve pour mon Man Show au théâtre des deux ânes. Venez nombreux, s'il vous plaît. Ah, parfait. En plus, j'ai pile poil deux slots. Mais salut, Max. Comment ça va? Ah, écoute, ça va bien, ça va bien. On reprend Resident Evil 0 après 5 mois. Voilà. Et très bien. Ah, si tu savais, Fox. Des expériences. En veux-tu, en voilà. M'exprimer devant un public. Tout aussi bien virtuel que physique. Les premières fois, c'est très marquant, mais quand tu prends cette habitude, que tu enlèves ton stress et ta timidité, et là, je parle très sérieusement, ce sont des expériences très valorisantes. Vraiment. Billy. Pas 5 mois d'absence. J'avais streamé le week-end dernier pour les 48 heures du PB. Mais Resident Evil 0, j'avais pas touché. Ça faisait 5 mois que j'avais pas touché. Et entre temps, j'ai fait des petits streams un peu random, il est vrai. Mais j'ai vraiment envie de me remettre dans ce format du Let's Live et de tenter de faire des séries et puis, ou sinon changer, etc. Mais il me semble que t'étais avec moi, Max, sur le premier contact du Mystery Draft, il me semble. T'inquiète pas, Fox. Je tape pas. Je juge pas. J'ai pas touché Half-Life là. Et j'ai juste commencé un petit peu Black Mesa du coup. Donc t'inquiète. Dans un ancien boulot, j'avais fait du théâtre de marionnettes. Et en plus, on passait dans le off du Festival Mondial des Marionnettes. Je te dis pas, Stras. Effectivement, ça peut ne pas être en confiance. Mais j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Et donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et on avait. On avait compté du Zelda, justement, le Link to the Past. C'était justement du randomizer. Et il y avait d'autres jeux également. Mais oui, je me souviens. T'avais une petite voix pendant le début, mais après, tu t'es rapidement mis à l'aise, etc. Il y avait eu du Zelda, ouais. Moi, c'était pas un festival mondial, mais ouais, on va dire que ma
première expérience de commentaire devant des personnes. C'était, si je me trompe pas, peut-être j'ai eu d'autres trucs avant, mais si je me trompe pas, c'était à l'UD3 sur Left 4 Dead 2 avec CDV. Quand je suis chez moi, il n'y a pas de problème, j'ai mon setup et tout, et je suis on est bien. Mais waouh, comment j'étais stressé, un truc de fou. En UF, ouais, c'était en UF, l'UF3, dans le cinéma, le club à Fougères, en été, j'ai... Je sais pas si ça va dans le micro comme ça. Voilà. Mais après, voilà, depuis, ça, voilà, c'est mieux passé. J'ai eu d'autres expériences, également toujours en distanciel sur des commentaires de stream de marathon. Et voilà, ce qui est. Bah après, ça c'est un truc, hein, c'est tu peux pas plaire à tout le monde. J'ai eu de très bons retours, comme quoi il y a des personnes qui apprécient mes différents commentaires. D'autres m'ont dit ouais, non, on n'aime pas. Bah, j'ai envie de dire, si t'aimes pas, d'accord. Mais il dit pourquoi, c'est quoi, si c'est la voix, je peux pas y faire grand chose. L'intonation, on peut essayer d'y travailler, mais sinon, voilà. Je sais pas. Moi, c'était mon deuxième UD. Mais ouais, l'UD3, j'avais commenté en grande finale. J'avais commenté Left 4 Dead 2 et Super Goose and Ghost. Et ben, en ultime finale, j'ai commenté Left 4 Dead 2, et sur les show match, j'ai commenté Spelunky, mais vu que c'était le lendemain de l'UF, entre l'UF et les show match, j'ai dormi que 30 minutes, j'ai fait une nuit de 30 minutes. On a fait plein de trucs avec les gens, on est allé voir les gens... Alors, gîte, etc. Après, on est retourné dans notre gîte. J'ai dormi sur le canapé de l'entrée du gîte et tout. Et j'ai vu Ast qui était à côté de moi et tout. Et ouais, salut, ça va. J'ai dormi qu'une demi-heure, mais quand je commentais, André, je fondais sur place et j'avais commenté avec Dorian et Twin Spelunky. Mais c'était bien, c'était très bien, quoi. J'ai fini par progresser et je compte toujours continuer à progresser. Voilà. Mais c'était marrant, quoi. Ça, c'était assez drôle. Attends, c'est Billy qui a... Non, c'est Rebecca. Mais ouais, après, je suis revenu commenter à des 5 sur le chômage. J'avais commenté à Maldita Castilla. Ouais, j'ai juste uniquement commenté Maldita Castilla à l'UD5. Et à l'UD6, bah... J'ai commenté Story About My Uncle, j'ai commenté Inertia, j'ai commenté Donkey Kong Country, alors j'ai pas fait le jeu. Parce que bon, on m'a dit que ça doit être Real Love qui commentait, mais après on dit non, bah au final c'est toi. Mais j'ai réussi à m'adapter. Et j'étais plus là pour poser des questions à CD, parce que lui il connaissait plutôt bien le jeu. Ah non, non, c'est... Qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Bon. Enfin, je vais aller sauvegarder, parce que le retour bureau
des gens ont vu ce que ça a fait. Et vu que là, j'ai plutôt bien avancé, je préfère éviter, éviter ça. Mais il y a un truc sur lequel je suis vraiment très, très, très heureux. D'une part, là, le partage qu'on a eu avec l'équipe de l'UD8. Mais surtout, surtout ce qui m'a fait un énorme plaisir, ça s'est décidé peut-être quelques minutes avant, c'est de faire une ouverture d'Ultime Final. Et ça, pour moi, c'est un énorme cadeau et c'est un énorme truc pour moi. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Hop là. Ça sauvegarde, tac 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 tac. Les tests, regardons. Mais je ressens plus à ça. Attends. Bah, c'est clair. Attends, on va faire un truc. Ça. Attends, on va faire... On va faire un truc sympa. Attends, c'était en 2016, je crois. En 2016, j'avais 23 ans. Merci, Fox, ça fait plaisir. Mais attendez, on va faire un ch'ti avant-après. Ah, attendez. Ouais, donc c'était bien en 2016, j'avais 23 ans. Ah, attendez, quand même, faut faire ça, faut faire ça. Mais j'ai en plus, sur cette photo, j'étais beaucoup plus gros que je ne le suis maintenant. Rien qu'au niveau des joues, vous allez voir. Et je... Alors attends, on va juste cropper. Hop, voilà. Salut CDV, salut Twin. Regardez-moi ça. Attends, j'essaie de faire la même tête. Attends, bah non, parce que j'ai les lunettes maintenant. Bah ouais, attends. Mais j'ai plein de petites histoires sur ça, effectivement. Le pins UD3, si je me souviens bien, ils avaient été apportés par Tori. Ils étaient vraiment très, très stylés. Il m'allait plutôt bien sur cette chemise. Là pour le coup elle faisait pas mal de visuels celle qui faisait par exemple les visuels des t-shirts. Il me semble que à l'UD2 il y avait elle, il me semble, je crois qu'il y avait Chat, Prosper avait participé un peu aussi. Ça pour le coup celui de l'UD2 je me souviens pas trop. L'UD3 il y avait elle a également participé à celui de l'UD4. Je crois qu'il y avait également UD5 et UD6, c'était le dernier visuel qu'il avait fait, il me semble. Ça devait être ça.
En plus, ouais, en niveau coupe de cheveux, bon, bah là, je perds mes cheveux, hein, ouais, trop bien. Mais c'était, ouais, c'était, j'avais à peu près la... le même volume de cheveux. Et du coup, Max, hein, si tu veux, et pour te faire plaisir, tu peux également prendre une de l'UD6. On la mettra sur la droite. Allez, regardez-moi ça. Ouf, disparu. Quand même. Truc de fou. Alors je vais juste. Bah faut encore que je replanifie la date, Max. Hein, mais si tu t'inscris ou même si d'autres personnes veulent s'inscrire, n'hésitez pas. Comme ça, bah ça me permet un peu d'affiner. S'il y a, je crois, que j'avais fixé à 6 inscrits plus le vainqueur de la précédente édition. Mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire comme ça. Ça fait déjà. Je vois, j'ai un petit pool de personnes qui sont intéressées. Et s'il y a beaucoup de gens intéressés, je ferai un petit tirage au sort. Et dès que ce sera bon, j'officierai à tout cela. D'accord, et c'est comme ça que ça marche. Ok, bon bah ça va. Trouve un truc. C'est plutôt bien. On va finir là-dessus, une belle petite mort comme ça.